Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve ici pour parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. C'est ce que je préfère en fait de l'apiculture, c'est l'élevage des rennes. Je ne vais pas vous cacher que c'est un gros sujet, c'est gros morceau. Il faudra sans doute deux voire trois épisodes pour parler de tout, alors du picking jusque l'introduction, la vérification de la ponte des rennes. En passant par le starter, la colonie éleveuse, etc. On fera certainement aussi un petit épisode questions-réponses si les commentaires vont dans ce sens. Bon, allez, on y va. Alors, comme remarque préliminaire, l'élevage de rennes, selon ma méthode, ce n'est pas compliqué. Mais il y a certaines choses à bien connaître, comme par exemple le cycle de développement de la reine. Et surtout, il faut être minutieux. Le non-respect de quelques règles fondamentales conduirait inévitablement à l'échec. Je vous mettrai ce petit warning pour bien vous signifier les étapes cruciales. Comme je vous l'ai déjà dit dans l'épisode précédent, je n'aime pas que les abeilles soient privées de phéromones royales pendant longtemps. Donc j'utilise une méthode avec un starter de 24 heures. Donc là je suis obligé de passer par une période d'orphelinage, mais vraiment le strict minimum, 24 heures. Et ensuite, l'élevage est confié à une colonie de production en présence de la reine. Alors mon starter est un starter fermé, c'est-à-dire que les abeilles ne pourront pas y entrer ni en sortir pendant 24 heures, le temps de l'acceptation des cupules. Dans cette ruchette, je viens installer des cadres de miel pollen. Ici, j'ai pris des cadres vides, mais c'est pour faire la démonstration. Je vous le remontrerai peut-être en saison, en temps réel. Donc, des cadres de miel pollen. Un que je viens mettre ici en rive. Et un deuxième que je viens mettre à la troisième position. Donc ces deux cadres-là doivent être remplis de miel et de pollen, surtout beaucoup de pollen. Le miel pour nourrir les abeilles et le pollen servira à la confection de la gelée royale, qui est indispensable aux jeunes larves de rennes. Entre ces deux cadres, je viendrai disposer, après picking, de mon cadre d'élevage porte-cupule. Voilà. Autre chose, pour les cadres de miel pollen, c'est très important qu'il n'y ait aucun couvain dedans, ni œufs ni larves. Les abeilles préféreront toujours élever sur un cadre plutôt que sur le cadre d'élevage. Pour ce faire, si vous n'êtes pas certain qu'il n'y ait pas de couvain dans vos cadres, vous pouvez les récupérer dans les ruches de production la veille et les passer 24 heures au congélateur pour être sûr de tuer tout ce qu'il y a comme couvain. En dernier lieu, il faudra venir mettre un cadre d'eau en périphérie des deux cadres de miel pollen et du cadre d'élevage. L'eau est indispensable aussi pour la confection de la gelée royale. Ce cadre d'eau, je vais vous montrer comment le remplir après, c'est super simple. Ensuite, il faudra mettre des abeilles jeunes pour bien faire dans la ruchette. Le but, c'est vraiment de bourrer la ruchette d'abeilles, hein. Donc, pour ce faire, soit vous prenez des abeilles dans les housses que vous viendrez secouer dans un seau, vous prenez environ 1,5 kg d'abeilles et que vous viendrez mettre de la ruchette. Autre possibilité aussi, c'est de prendre des abeilles sur des cadres de couvain ouvert dans le corps de ruche. Là, il faut être bien sûr d'avoir isolé la reine, parce que si la reine se retrouve dans le starter, vos cupules ne seront pas acceptées et l'élevage va échouer à tous les coups. Donc ça, bien attention, c'est important, aucune reine dans le starter. Pour le cadre d'eau, c'est tout simple, hein. Vous prenez un cadre vide, un cadre bâti, complètement vide. C'est tout bête, hein. Vous venez avec une bouteille ou un tuyau d'arrosage et vous le remplissez, hein. Comme les alvéoles sont inclinées, c'est comme pour le miel, rien ne coule hors. Voilà, vous remplissez bien le cadre. Sur les deux faces. Voilà, vous voyez, le cadre est bien lourd et quand vous secouez, ben, toute l'eau est dans le cadre en fait.
Alors le starter fermé, en résumé, il nous faut deux cadres de miel et de pollen, entre lesquels on viendra disposer le cadre porte-cupule, le cadre d'élevage, un cadre d'eau, 1,5 kg d'abeilles jeunes, on ferme la ruchette, on la met à l'ombre au rucher, et il ne reste plus qu'à faire le picking. Pour expliquer le picking, j'ai repris une de mes vidéos YouTube, une vidéo qui a 3 ans, qui a déjà fait 82 000 vues, donc je suppose que vous la connaissez. Alors, je donne quelques explications, là, je vous laisse lire. La seule différence, c'est que maintenant, je n'utilise plus une colonie orpheline pour mener tout l'élevage. Uniquement un starter fermé 24 heures, qui est la seule partie orpheline du processus. Alors, ça, c'est mon petit labo dans mon salon, avec ma lampe, mon porte-cadre, mes cupules. Donc ça, c'est ma colonie rasseuse, enfin, une de mes colonies rasseuses. Donc c'est une reine inséminée, dont on connaît toutes les qualités. Une semaine avant le picking, j'y introduis un ou deux cadres de cire gaufrée. Dans la période d'élevage, entre mai et fin juin, début juillet, les cadres sont construits en 2-3 jours et pondus immédiatement par la reine. On a donc des larves de moins de 12 heures au moment du picking, en théorie, hein. Ça dépend évidemment de la météo. Les larves doivent être les plus petites possibles, baignées dans une toute petite goutte de gelée royale, ça c'est l'idéal. Alors on secoue le cadre, une fois qu'on a repéré les larves adéquates, on brosse bien les abeilles, et on se retrouve au labo. Donc là moi je raccourcis toujours les cellules, c'est plus facile pour travailler. Parce que c'est quand même fort petit, donc là on voit les œufs, les larves. Quand elles sont en fer à cheval, c'est déjà un peu tard, mais la taille qu'on voit là aux larves, ça va encore. Donc voilà le prélèvement avec le picking chinois. Là il faut y aller doucement, il faut vraiment pas blesser la larve ni la retourner. Il faut la remettre vraiment comme elle était dans le fond de la cellule. Donc là, on la met dans la cupule. Je suis un peu paranoïaque. Je mets en général 2 larves par cupule. J'ai déjà fait avec une larve, ça marchait tout aussi bien. Donc je pense que c'est vraiment de la parano. Mais j'ai toujours fait comme ça, donc je continue. Sur une série, je fais habituellement des séries de 20 cupules. J'ai habituellement 18 ou 19 larves qui sont prises en charge dans le starter, donc c'est pas trop mal. Donc là on voit la petite larve à l'extrémité du picking, c'est vraiment pas gros du tout. Et voici la larve déposée dans le fond de la cupule Nico. Moi je fais le greffage dit à sec, donc je n'amorce pas la cupule avec une petite goutte de gelée royale. Ce qu'on voit là, c'est la larve qui baigne dans sa propre gelée royale qu'elle avait dans le fond de sa cellule. Les cupules enlarvées sont replacées sur le cadre d'élevage et le cadre est mis dans le starter pour 24 heures. Si vous devez transporter les cupules enlarvées à grande distance, il vaut mieux les emballer dans un linge humide pour éviter le dessèchement des larves. Il faut surtout éviter que le soleil tape sur les cupules. Le froid, c'est pas encore trop grave, mais le dessèchement, ça, et les UV, c'est vraiment pas bon. Voilà, 24 heures après avoir placé le cadre d'élevage dans le starter fermé, on va vérifier l'acceptation et la prise en charge des cupules des larves par la colonie. Donc on voit très bien que ça déborde d'abeilles, il faut vraiment que ça soit comme ça. Alors là, je vérifie les cupules une à une. Comme ça, je sais à quoi je peux m'attendre pour la suite de mon élevage. Je vais vous montrer, après cette petite séquence vidéo, le détail, pour savoir si la cupule est acceptée ou non.
Là, je pousse juste les abeilles pour voir la cuticule. Là, je pense qu'il y en avait 10, 18 ou 19 qui étaient bonnes. Donc voilà, là, le starter, c'est fini. Et on verra dans la prochaine vidéo ce que je fais de mon cadre de cupule. Là, je le remets dedans pour la manip. Vous verrez, le cadre ne reste pas dans le starter. Voici une cupule qui a été prise en charge. On voit bien une petite collerette de cire à la base de la cupule. Et si on regarde, on verra la larve qui baignera vraiment dans la jet royale. Donc ça, c'est réussi. Et voilà une cupule ratée. On voit que rien n'a été étiré, il n'y a pas de cire. Et si vous regardez dans la cupule, il n'y a plus rien du tout. Ça a été nettoyé, la larve a été virée, pas de gelée royale. Voilà, ça en est fini pour le starter, mais on peut encore faire deux ou trois séries avec le même starter sans problème. Il ne faut pas aller au-delà parce que les abeilles alors sont vraiment orphelines, elles commencent à vieillir et ça risque de tourner en abeille pondeuse assez rapidement. Après utilisation, le starter, soit vous utilisez les abeilles pour renforcer un essaim, une ruche, ça y a aucun souci. Si vous avez une reine en ponte, une reine fécondée, vous pouvez la mettre dans ce starter pour refaire une nouvelle colonie. Vous pouvez renforcer avec du couvain pour que ça aille plus vite. Voilà, ça, tout est permis avec ce starter. Voilà, on va rester là pour cette fois-ci. Je vais vous laisser le temps de digérer un peu toutes ces infos. On se retrouve la prochaine fois pour la suite de cette vidéo. Donc la mise en place du cadre d'élevage dans la colonie finisseuse ou éleveuse. Puis on commencera certainement la préparation des nucléides de fécondation. Voilà, on verra bien. Allez, je vous laisse, à bientôt. N'hésitez pas à liker, partager et commenter. Hein. Comme je vous ai dit, on fera peut-être une petite vidéo questions-réponses à la fin de la série. Allez, à bientôt, merci, au revoir, ciao ciao.